Griesbach. Am I correct? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Nous arrivons à la conclusion de plus d'un an de travaux intensifs, approfondis, sérieux, équilibrés à la lumière de la sauvegarde des droits fondamentaux, réalisés en s'attaquant au sujet majeur de notre époque, particulièrement sensible et grave, et qui constitue aussi l'une des préoccupations principales de nos concitoyens. La menace terroriste ne connaît ni frontières matérielles ni frontières immatérielles, et c'est pourquoi, en prenant nos responsabilités politiques et pas uniquement en travaillant sous un aspect technique, notre Parlement, par ses travaux, par les travaux de la Commission, a ciblé ce qu'il convenait de faire pour développer, aux côtés des États membres, une véritable valeur ajoutée pour combattre ce fléau. Pour faire ces travaux, pour faire le diagnostic, la Commission a constitué un véritable forum, une sorte de plateforme européenne sur le terrorisme qui nous a permis d'écouter, d'auditionner, de rencontrer, de travailler, d'approfondir, de questionner tous les acteurs majeurs de l'ensemble de l'Union européenne. Deux objectifs, tirer les leçons du passé, voir les bonnes pratiques, voir aussi les failles et surtout se tourner vers l'avenir à travers ces recommandations qui couvrent une multitude des défis qui sont posés à notre temps. Radicalisation, échange d'informations, coopération judiciaire et policière entre les services de renseignement, droit des victimes, lutte contre les moyens d'action des organisations terroristes. Nous appelons la création d'un centre d'excellence pour prévenir la radicalisation et travailler au cœur des quartiers, aux côtés des États. Demandons le renforcement des agences européennes, notamment d'Europol, qui doit devenir un véritable centre d'échange d'informations et de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, une sorte de FBI européen. Travaille également avec Eurojust, avec la demande d'extension des compétences du parquet européen à terme à la lutte contre le terrorisme. Sur le cœur du mandat, le rapport demande une approche du partage d'informations par défaut de toutes les données liées au terrorisme entre les États et les agences européennes pertinentes, sauf bien sûr sur les affaires en cours et sans altérer bien entendu non plus la protection des sources qui est un élément majeur. Nous appelons la création d'un programme européen de surveillance de financement du terrorisme pour ne pas dépendre de nos amis, entre guillemets, américains et évidemment un centre de coordination pour les victimes. Je remercie les co-rapportrices et tous les membres de cette commission d'avoir travaillé d'arrache-pied en dépit de nos différences et de nos idéologies. Je les remercie du fond du cœur. Czy zechciałaby Pani odpowiedzieć na blue card ze strony Pana Danjean? Blue card, Mr. Danjean would like to ask. Yes, please, Mr. Danjean.